Oh, la grosse sortie de grille au couloir numéro 1 du pilote de Saint-Jean-d'Angély, Titouan Fort, a fait la différence. Il est tombé malheureusement à l'entrée de ce premier virage et c'est Monsieur Venturini Terry qui a pris les commandes avec en deuxième place, c'est Lucas Robert. Effectivement, alors que Evan Gio pour Saint-Brieuc tente d'accéder, eh bien, à un podium, mais devant c'est Monsieur Venturini Terry qui s'adjuge ses troisième épreuve de la Coupe de France. Et deuxième place donc, eh bien pour le 68, Lucas Robert.